Bonjour à tous, je suis à Brie-Comte-Robert pour visiter le centre historique. Donc on est dans le château fort de Brie-Comte-Robert. Donc bien sûr il ne reste plus rien. Donc c'est un château fort du XIIe siècle qui a été remanié au XIVe siècle par Jeanne d'Évreux qui avait vécu ici jusqu'à sa mort en 1370, d'après ce que j'ai compris, autour de 1370. Et le château a été surtout victime de la guerre de Cent Ans, mais surtout à la fin de la guerre de Cent Ans, entre 1429 et 1432. On a la période où on a été la période des Bourguignons. Et donc maintenant, c'est un centre archéologique. Donc le château, après la guerre de Cent Ans, a été reconstruit, mais c'est au XVIIIe siècle qu'il a été complètement à l'abandon. Il s'est devenu un bien national après la Révolution, et en fin de compte, ça a servi de carrière tout du long, avant d'être repris en main par la commune au XXe siècle et restauré, on va dire, dans cet état actuel, depuis maintenant une trentaine d'années à peu près environ. Voilà. Ce qui est bien, alors le petit musée qu'on a vu, il est accessible le mercredi après-midi, le samedi après-midi, le dimanche matin et le dimanche après-midi. Thank you.
Voilà, j'espère que cette petite balade dans le centre historique de Brigon-Robert, dans Seine-et-Marne, vous a plu. Pour information, on peut s'y rendre en vélo depuis Créteil, avec la végétale, puis après le chemin des roses. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine.